Alors, très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un travail et une réflexion sur les enquêtes PISA. Et plus généralement, on va travailler sur l'idée de la comparaison de l'équité des systèmes éducatifs à l'aide des enquêtes PISA. Donc, ce travail, me semble-t-il, est important et nécessaire. Parce que lorsqu'on réfléchit sur les débats qui portent aujourd'hui sur les comparaisons internationales, l'école, sur les politiques éducatives, on s'aperçoit que les enquêtes PISA ont un poids, une importance dans le débat qui est très forte. Et donc il me semble que nous devons examiner de façon précise à la fois, je dirais, la nature de ces enquêtes, ainsi que l'usage que l'on peut en faire et l'usage qu'en font les différents acteurs de ce débat, les journalistes, les chercheurs, les politiques, etc. etc. Donc je vais essayer de me centrer aujourd'hui sur cette question des enquêtes PISA, de leur validité, de leur fabrication, aussi de l'usage que l'on peut en faire dans les débats sur l'école. Alors, d'abord en introduction, la question de l'équité. L'équité des systèmes éducatifs, on sait que l'équité des systèmes éducatifs est une question, je dirais, à la fois de recherche et une question qui anime le débat social et politique. Bon, la question de l'équité, on le voit de façon très régulière, à la fois dans la presse, à la fois dans les débats, dans tout un ensemble de choses. La question de l'équité est centrale dans l'éducation, puisqu'il s'agit de réfléchir sur l'ampleur des inégalités d'acquis, par exemple, ou de parcours scolaire entre les élèves. Et donc, c'est une dimension extrêmement forte de l'évaluation des systèmes éducatifs. Un système qui serait, par exemple, très efficace, c'est-à-dire qui parviendrait à, enseigner en moyenne à l'ensemble des élèves des niveaux de compétences élevés, mais qui, en même temps, serait très inéquitable, eh bien, ça poserait aussi beaucoup de problèmes, évidemment, dans la répartition, la question de la répartition des biens éducatifs. Donc, pour comprendre la question de l'équité des systèmes éducatifs, on se doit de comparer et d'identifier clairement ce que l'on compare. Qu'est-ce que l'on compare lorsque on parle d'équité? Quel type de système éducatif? Avec quels moyens est-ce qu'on va comparer et faire ces comparaisons. Donc, dans ce questionnement, il me semble que la question des sources, des sources empiriques, pardon, et des questions méthodologiques, cette question-là est extrêmement importante. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les jugements, en fin de compte, tous les résultats que l'on va produire, leur fiabilité, leur légitimité, va dépendre de la nature de l'enquête que l'on aura conduite. Cela va dépendre aussi de la fiabilité des données qui ont été recueillies. Et donc, il est de première importance de comprendre comment sont construites les enquêtes qui nous permettent de raisonner sur l'équité des systèmes éducatifs. Donc, on va parler de débat et on va parler aussi non seulement de la fiabilité des enquêtes comparatives internationales, on va parler aussi de l'usage qui est fait de ces données et de la façon dont on construit ces enquêtes PISA. Un premier point, me semble-t-il, si l'on veut traiter de cette question, est de se questionner sur la comparaison internationale. Qu'est-ce que cela signifie de comparer au plan international des questions d'éducation? Alors, c'est une vraie question qui est très complexe
Parce que, en fin de compte, lorsqu'on compare des systèmes éducatifs, on compare nécessairement des systèmes qui sont différents. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'on les compare, c'est pour essayer de voir comment ces différents systèmes vont produire des résultats eux-mêmes différents, compte tenu d'un certain nombre de critères. Et donc, lorsqu'on compare des systèmes éducatifs, on va comparer des systèmes qui ne valorisent pas les mêmes contenus, les mêmes apprentissages, qui n'ont pas les mêmes programmes, qui n'ont souvent pas la même progression des élèves d'une année sur l'autre, on n'enseigne pas les mêmes choses à chaque niveau, etc. etc. Donc, ces contenus valorisés, ces rythmes de progression des élèves sont très différents et du coup, cela pose des problèmes de comparaison parce que sur quels critères va-t-on les comparer ? La construction, en même temps, la construction même des données, des catégories qui permettent de faire des comparaisons statistiques, par exemple, ces catégories sont très souvent fortement ancrées dans les traditions nationales. Par exemple, quelque chose de tout bête, mais le statut social des élèves, c'est-à-dire leur origine sociale, hein, le fait que leurs parents ont tel ou tel statut dans la société, leur position dans la stratification sociale. Bon, eh bien, chaque pays va créer ses catégories propres pour situer les individus dans cette stratification sociale. Donc si vous prenez les catégories qui ont cours en France, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, etc., vous aurez des catégories très différentes. Bon. Donc là, vous avez un problème très concret de comparaison qui se pose. Je cite aussi dans mon PowerPoint l'origine migratoire, l'ethnicité, enfin tout un ensemble de phénomènes qui sont mesurés de façon statistique très différemment d'un pays à l'autre. Et du coup, la question qui va se poser est celle de l'usage que l'on va faire de ces catégories. Donc, on voit bien que si l'on fait des comparaisons, si l'on se propose de faire des comparaisons internationales, nous avons besoin d'avoir des catégories qui puissent être communes pour que la comparaison puisse avoir lieu. Je cite ici dans mon PowerPoint deux ouvrages qui ont la vertu, si j'ose dire, d'avoir été publié à peu près une cinquantaine d'années, même plus, de différence, presque 60 ans de différence. Vous avez un premier ouvrage qui est celui de Castel et de Passeron, qui s'appelle « Éducation, développement et démocratie » et qui a été publié en 1967. Et puis vous avez de l'autre côté de l'échelle temporelle, si j'ose dire, c'est-à-dire un article extrêmement récent de Bay, de Meuse et Friant, dont le titre est « Comparer les systèmes éducatifs francophones » dans la revue « Éducation et francophonie ». Donc c'est un article qui a été publié en 2015. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer comment, en fait, de voir comment les choses ont évolué entre 1967 et 2015. L'idée de l'ouvrage de Castel et Passeron était de montrer justement les limites et voire l'impossibilité de produire des comparaisons internationales. Notamment, il se questionnait dans cet ouvrage sur les comparaisons que l'on pouvait faire entre les pays de l'Est, ce qu'on appelait les pays de l'Est, c'est-à-dire les pays du bloc soviétique, et les pays de l'Ouest, hein, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, qui existait encore à l'époque. Et en fin de compte, c'est très intéressant parce qu'il montre, en tout cas, il développe l'idée que cette comparaison est quasiment impossible. On peut essayer de trouver des indicateurs à l'intérieur de chaque pays qui permettraient de faire une relative comparaison, mais cette comparaison était à l'époque extrêmement difficile. Hein. Et les conclusions de l'ouvrage sont que, tout de même, les choses sont très difficiles à établir dans cette période-là. Cet ouvrage de 67 me semble extrêmement intéressant, non seulement parce que les auteurs
qui ont dirigé cet ouvrage sont connus et ont produit beaucoup de résultats dans le domaine de la sociologie, de l'école et puis dans d'autres domaines, bien sûr, mais aussi parce que l'ouvrage montrait un peu une sorte, entre guillemets, d'impuissance à établir des comparaisons fiables au plan international. Si l'on se projette jusqu'à aujourd'hui, en 2015, l'article de Bay, Demeuse et Friant donne un tout autre regard. Le propos de cet article n'est bien sûr pas de dire que tout est simple aujourd'hui, mais simplement de dire que nous avons à notre disposition des données empiriques, qui sont comparables, d'accord ? Ça ne signifie pas que l'on peut comparer très facilement tous les pays sans aucun problème, mais cela signifie qu'il est possible de réfléchir et d'avoir des données empiriques qui nous permettent de faire ces comparaisons internationales. Donc, il me semble que ces deux publications nous donnent le progrès, en quelque sorte, entre guillemets, qui ont été accomplis dans la possibilité de faire ces comparaisons. Dans l'article de 2015, les données qui sont utilisées, ce sont les données PISA, et du coup, je crois, il me semble important de développer cette idée, et notamment de développer ce qu'il en est de cette enquête internationale. Si l'on se penche sur la situation contemporaine, quelles sont les différentes enquêtes internationales qui sont à notre disposition si l'on veut, faire ce genre de travail? Alors d'abord, il y a, et ça a été une première tentative, et ça existe encore bien sûr, de l'IEA pour produire des enquêtes internationales. Cela date du début des années 60, et ces enquêtes de l'IEA avaient pour objectif premier de préserver l'indépendance du travail scientifique, en fin de compte, et de fournir des données fiables et des informations utiles pour, orienter les politiques éducatives. Donc on était dans un système 1960, donc ça nous ramène à plus de 50 ans, dans cette période, on a, si vous voulez, les premières mises au point des outils méthodologiques qui ont permis ensuite le développement d'autres enquêtes internationales telles que PISA. Alors l'IEA produisait des enquêtes telles que, et produit toujours d'ailleurs, des enquêtes telles que TIMSS et PIRLS, TIMSS étant sur les mathématiques et les sciences, et PIRLS étant sur la reading literacy. Ces enquêtes sont extrêmement intéressantes parce qu'elles ont constitué les premières tentatives de comparaison sur des critères communs entre différents pays du niveau d'acquis des élèves à partir, dans les enquêtes de l'IEA, à partir des programmes scolaires. Alors très souvent, ensuite, ça a été développé autrement, mais les premières enquêtes portaient et portent toujours sur le niveau primaire avec des élèves de 9 ans. Et donc, on avait, si vous voulez, le principe qui était adopté, c'était de dire on va comparer les acquis dans des pays dont les programmes sont relativement comparables, et on va essayer de voir comment, justement, les élèves acquièrent des compétences ou des savoirs en fonction de ces programmes scolaires. Donc, c'était les premières tentatives, et je dirais que ces enquêtes de l'IEA ont été un peu un premier laboratoire pour mettre au point des outils comparatifs pour permettre les comparaisons internationales. Avec les enquêtes de l'OCDE, dont je vais parler aujourd'hui, on a une conception qui, à la fois, s'inspire très fortement des enquêtes de l'IEA, bien sûr, puisque c'était des tentatives, extrêmement précieuses et extrêmement fécondes, et puis en même temps, des enquêtes qui vont, proposer des solutions un peu différentes de celles de l'IEA. Alors, d'abord, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une organisation extrêmement puissante. Ce n'est pas l'IEA. L'IEA était plutôt une réunion de chercheurs, on va dire, pour aller vite. Ici, avec l'OCDE, on a une organisation qui a une légitimité extrêmement forte au plan international, sur l'économie notamment. Et donc, les enquêtes PISA
sont des enquêtes qui sont réalisées de façon régulière. C'est un point fort de ces enquêtes. Tous les 3 ans, vous avez une enquête qui porte sur un domaine majeur soit la compréhension de l'écrit, culture mathématique ou culture scientifique. C'est-à-dire que ces enquêtes traitent de ces 3 domaines, mais pour chaque version, pour chaque année, on a un domaine qui est considéré comme dominant, comme majeur, et du coup, la mesure des compétences des élèves dans ce domaine majeur est plus développée que pour les autres domaines. Alors, en 2000 et 2012, le domaine majeur était la compréhension de l'écrit. En 2003 et 2009, ce fut les mathématiques. Et en 2006 et 2015, c'était la culture scientifique. Alors, j'inclus 2015, mais l'enquête 2015, bien sûr, à ce jour, n'est pas encore terminée. Alors, ce qui est intéressant dans ces enquêtes, c'est qu'elles vont avoir des caractéristiques qui vont être, comment dire, assez originales par rapport aux comparaisons internationales qui existaient précédemment. D'abord, un premier point et une première solution extrêmement, comment dire, spécifique aux enquêtes PISA, ça a été de produire des comparaisons à partir des outputs de l'école, c'est-à-dire à partir de ce que produit l'école, à partir des résultats des élèves, à partir des compétences des jeunes. Alors cette idée, en fin de compte, est extrêmement simple. C'est l'idée que pour évaluer ce que produit un système, quel qu'il soit, ici on est dans le système éducatif, mais on pourrait très bien imaginer évaluer d'autres systèmes, tels que le système économique, eh bien, on va mesurer ce qu'il produit, d'accord, ce qui sort, en quelque sorte, de la machine. Alors, non pas ce qui sort en termes de diplômés, parce que si vous mesurez ce qui sort en termes de diplômés, par exemple, diplômés du supérieur, ou diplômés du baccalauréat, ou d'un diplôme de la fin d'enseignement secondaire, vous n'avez pas toujours des résultats qui sont comparables, parce que la proportion de diplômés dans une population, ça dépend des politiques, ça, on ne sait pas vraiment toujours, on n'est jamais sûr de ce que c'est, de ce que connaît un diplômé en fin d'enseignement secondaire. Chaque pays va définir le niveau de compétences requis pour obtenir tel diplôme de façon différente. Donc, on a certes des indicateurs, mais ils ne sont pas directement comparables. Ici, on va comparer ce que savent ou les compétences que peuvent mettre en œuvre les jeunes à un âge donné dans chaque pays. Deuxième aspect, j'ai dit un âge donné, et on va comparer tous les jeunes de 15 ans. J'ai dit tout à l'heure que les enquêtes de l'IEA prenaient plutôt un niveau scolaire donné. À tel niveau, par exemple, la dernière année de l'enseignement primaire, que savent les élèves dans différents pays? Très bien. L'option qui a été prise par PISA, ça a été de dire on ne va pas considérer un niveau donné de scolarisation, on va considérer un âge donné. Et donc, c'est assez judicieux, puisque cela permet, je dirais, de voir, quel que soit le mode de scolarisation, quel que soit, je dirais, le niveau de scolarisation atteint, eh bien, quel est, à un âge donné, donc, le niveau de compétence de ces élèves. Donc, on va considérer les élèves à 15 ans, entre, très précisément, 15 ans et 3 mois et 16 ans et 2 mois, donc c'est extrêmement précis bien sûr. Et en fin de compte, cela, pourquoi avoir choisi 15 ans? Eh bien, simplement parce qu'il s'agit de, dans ce cas-là, de la dernière année de scolarité obligatoire. C'est un point qui est important puisque, évidemment, on se dit, bon, à la fin de cette scolarité obligatoire, qu'ont acquis les élèves dans les différents pays? C'est assez judicieux, en fin de compte, parce qu'on peut ainsi voir comment chaque système éducatif va produire tel ou tel niveau de compétence auprès de ses élèves. Donc ces jeunes ont un point commun, leur âge,
Mais bien sûr, ils peuvent être scolarisés dans des écoles et des filières très différentes, dans des voies générales, professionnelles, technologiques. On ne se pose pas cette question-là, enfin, on va se la poser après, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on va tout de même mesurer leur niveau de compétence, quel que soit leur mode de scolarisation. Le principe donc de la comparaison PISA est donc de mesurer les compétences d'échantillons représentatifs dans chaque pays de jeunes de 15 ans et ces compétences, je l'ai dit tout à l'heure, vont être mesurées en culture écrite, en mathématiques et en culture scientifique. Donc on a ces trois domaines et ces trois piliers. Alors, l'idée, si vous voulez, que l'on a maintenant, c'est de savoir en quoi ces enquêtes PISA permettent de réellement comparer le niveau de compétence des élèves. Comment est-ce qu'elles sont conçues pour faire en sorte de comparer ces niveaux? Alors d'abord, de façon extrêmement nette, on est dans les enquêtes PISA dans le cadre d'enquêtes à large échelle, je devrais dire d'enquêtes à très large échelle. Pour donner une idée, pour l'enquête PISA 2012, la dernière publiée à ce jour, nous avons 510 000 jeunes qui ont répondu aux tests et aux questionnaires PISA. Donc, on a, si vous voulez, une enquête extrêmement massive. Et cette enquête extrêmement massive doit être, comment dire, organisée de façon extrêmement rigoureuse pour que la comparaison soit fiable. C'est une idée extrêmement simple. Si les modes de recueil des informations diffèrent de façon trop importante d'un pays à l'autre, les comparaisons que l'on fera ensuite avec les données pourraient ne révéler que les différences de mode de recueil des données et non pas les différences d'acquis des élèves. Donc, dans le cas de ces comparaisons internationales, on a évidemment, on doit apporter un soin tout particulier au mode de construction de l'enquête, d'organisation de l'enquête, de recueil des données, etc., etc. On doit donc accorder une attention particulière à ces éléments de façon à ce que la comparaison soit fiable. Alors pour cela, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on impose d'abord des standards, ce qu'on appelle des standards, c'est-à-dire des procédures extrêmement précises qui impliquent que dans chaque pays, les choses vont se passer de façon identique. Alors, cela part des questions, comment dire, de la conception et la réalisation des tests, la traduction des tests, les conditions de passation, tenez, c'est tout bête, mais les conditions de passation des tests, qui, par exemple, va faire passer les tests aux élèves. Alors, on va dire, eh bien, il ne faut absolument pas que ce soit les enseignants, des élèves qui sont testés, qui doivent faire passer les tests. Bon, question simplement basique, de façon à ce qu'il n'y ait pas de communication entre les enseignants et les élèves, etc., etc. Donc il faut que ce soit des gens qui ne se connaissent pas, dans des lieux qui sont les établissements scolaires, certes, mais dans des conditions très précises de passation. Donc on a en quelque sorte la mise en place de normes de qualité, et ces normes de qualité sont très rigoureuses, nombreuses, et c'est très important pour que la fiabilité des données soit garantie. Alors, je passe un peu sur ces différents éléments qui sont précis et qui sont des éléments, comment dire, factuels. Je ne passe pas dessus rapidement parce qu'ils ne seraient pas importants, mais parce que simplement, je dois aller un peu plus loin pour parler de la nature des enquêtes PISA. Donc on a des enquêtes qui sont standardisées d'un pays à l'autre. Je reviendrai sur des éléments qui concernent par exemple les traductions, la nature des tests, la conception de ces tests, etc. etc. Je voudrais aborder une question qui est un peu une question générale, qui me semble extrêmement intéressante et importante, c'est la question de la conception de la comparaison qui est développée par PISA. Je mets comme titre de ma petite diapositive une conception universaliste de la comparaison en éducation. C'est exactement ça qui est développé par PISA. On a une conception universaliste.
Je dirais que lorsqu'on regarde la façon dont on compare en éducation les différents pays, on pourrait dire qu'il y a au moins deux conceptions globales de cette comparaison. Vous avez une conception qui va être particulariste, c'est-à-dire qu'elle va s'attacher à montrer en quoi les modes de transmission des connaissances dans chaque pays obéit à des critères et des modalités culturellement construites dans chacun de ces pays. Et du coup, l'objet de la comparaison va plutôt porter sur la façon dont chaque culture va opérer cette comparaison. D'accord ? Et c'est un domaine qui est extrêmement, fécond de la comparaison en éducation. Ce sont souvent les approches anthropologiques hein, qui vont appliquer ce type de démarche. Et c'est extrêmement intéressant. Et c'est une option qui montre comment donc l'éducation, les modes de transmission sont le fruit d'une histoire, d'une culture, etc. etc. L'option de PISA est extrêmement différente. On ne va pas dire dans les enquêtes PISA, ben voilà comment chaque pays est différent. Hein. On va montrer une option universaliste au sens où l'idée n'est pas tant de montrer les particularités culturelles de chaque pays que de montrer ce que produit chaque système éducatif. On a une hypothèse, si vous voulez, qui est de dire chaque système éducatif, au-delà de ses différences, au-delà de ses différences historiques, culturelles, etc., poursuit le même but. Et ce but, le même objectif, et c'est ce but ou cet objectif est en fait d'amener le plus grand nombre possible d'élèves au cours de l'enseignement obligatoire à un certain niveau de savoir et de compétences. Et donc, on va comparer les systèmes en fonction de cet objectif. Donc du côté particulariste, on va plutôt montrer comment les modes de transmission vont varier d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, etc. Du côté de l'option universaliste, on va dire chaque système, au-delà des modes de transmission privilégiés, ont un objectif commun, et du coup, on va pouvoir les comparer en fonction de ces objectifs, en fonction de mêmes critères considérés comme universellement reconnus comme valides. Donc on voit que cette option universaliste est extrêmement intéressante et puis elle est surtout très importante pour comprendre les enquêtes PISA produisent leurs résultats. À partir du moment où on se situe dans une option universaliste, il faut définir des concepts eux-mêmes universalistes. Alors, des concepts universalistes, ça veut dire quoi ? Bon, les concepts, vous me direz, c'est toujours universaliste, mais ce que je veux dire, c'est que des concepts qui renvoient à des conceptions communes, d'accord, de l'éducation. Alors, ces deux concepts, ils sont très connus, ils sont très simples, c'est le concept d'efficacité et le concept d'équité. Hein, tout compte fait, il s'agit là de concepts, au sens où ce sont des idées générales qui traduisent des situations empiriques qui peuvent être très, très variées. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'efficacité ? Bon, on parle de la capacité à atteindre des objectifs au plan scolaire, puisqu'on est dans le domaine scolaire, en conduisant les élèves au plus haut niveau d'acquis possible. Voilà, c'est ça l'efficacité. Un système est efficace s'il parvient à amener le plus grand nombre possible de ses élèves à un niveau élevé de connaissances ou de compétences. Alors, de façon extrêmement simple et empirique, dans les enquêtes PISA, eh bien, c'est le score moyen par pays qui est une des mesures, il y en a d'autres, on le verra tout à l'heure, une des mesures de cette efficacité. Hein. Si vous avez un score, on sait que la moyenne est à 500, si le score est à 550, eh bien, dans un pays donné, eh bien, ce pays sera réputé comme étant ayant un système plutôt efficace au plan scolaire. Donc ça, c'est pour l'efficacité. Pour l'équité, eh bien, on réfléchit non pas sur le score moyen des élèves, on réfléchit sur la dispersion de ce score. C'est très classique.
on a un système qui a un score donné, eh bien la question que l'on se pose avec l'équité, c'est quelle est la dispersion autour de cette moyenne, d'accord, en fonction des individus. Et puis on se questionne aussi, bien sûr, sur la répartition de ces scores en fonction des catégories ou des caractéristiques des élèves. Les filles et les garçons, les élèves de milieux défavorisés ou favorisés, les élèves migrants ou issus d'immigration ou natifs, etc., etc. Donc on a, si vous voulez, derrière le concept d'équité, la question de la répartition des biens éducatifs, avec l'idée que plus cette répartition est inégale, plus le système est inéquitable, c'est-à-dire si les scores des élèves, je sais pas moi, des élèves migrants ou issus de l'immigration sont extrêmement faibles dans un pays donné et extrêmement forts pour les élèves natifs, eh bien, on va se dire que ce système est inéquitable du point de vue cette variable migratoire. On développera ça, bien sûr, tout à l'heure. Il y a une hypothèse, bien sûr, sous-jacente, qui est extrêmement simple, hein, derrière cette idée d'efficacité et d'équité. L'idée, évidemment, que, je l'ai dit tout à l'heure, chaque système a pour but d'avoir le plus grand niveau d'efficacité et le plus grand niveau d'équité. Bon, c'est une hypothèse, on pourrait peut-être la discuter aussi, hein, mais on verra peut-être ça un peu plus tard lorsque on travaillera sur des données un peu plus empiriques. Donc on a deux concepts clés, l'efficacité et l'équité, et puis on a, si vous voulez, un concept qui est aussi extrêmement important, c'est celui de compétence. Alors c'est un concept qui est important parce que d'abord c'est un concept clé de la comparaison internationale dans PISA d'une part, et puis c'est un concept important parce qu'il a été assez discuté, voire critiqué, et du coup c'est un concept qui est intéressant. Alors il y a derrière l'hypothèse universaliste qui est l'hypothèse de PISA, je l'ai dit à l'instant, une nécessité de définir des critères ou un critère identique pour chaque système éducatif, critère de comparaison. Si l'on dit que chaque système éducatif poursuit les mêmes buts, d'accord, il faut que l'on trouve un critère de comparaison qui permette de mesurer la façon donc chacun de ces systèmes poursuit ce but et atteint ce but. Et du coup, la notion de compétence prend une place de choix dans cette réflexion. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver un équivalent général, hein, j'ai employé ce terme équivalent général qui renvoie en économie, l'équivalent général, c'est la monnaie. Hein. Lorsqu'on parle de la monnaie en économie, on dit que c'est un équivalent général, au sens où la monnaie vous permet de mesurer la valeur de cette bouteille d'eau, de cet ordinateur, de cette paire de lunettes, etc. etc. Donc c'est extrêmement important que cet équivalent général puisse, quelles que soient les circonstances, si j'ose dire, ou les moments, être un moyen d'échange pour acheter des marchandises. Bon, très bien. Eh bien, on pourrait dire que les compétences, c'est l'équivalent général dans le domaine de l'éducation, dans la conception de PISA. Équivalent général au sens où cela permet, de mesurer les acquis des élèves, d'accord, quel que soit le pays considéré. D'accord, c'est un peu la monnaie, hein, dans le domaine de l'éducation. Alors pourquoi est-ce que c'est important de définir cet équivalent général que sont les compétences? Eh bien, c'est important parce que dans chaque pays, on imagine bien que les programmes scolaires sont extrêmement différents. Hein. On sait bien que la façon d'apprendre les mathématiques, les lettres, la science et tout ce que l'on apprend à l'école va obéir à des programmes ou des plans d'études qui vont être extrêmement variables d'un pays à l'autre. Donc si vous allez au Japon ou si vous allez au Chili
aux États-Unis ou en Italie ou en Angleterre ou en Belgique, etc., moi, vous aurez des programmes scolaires très différents. Donc en fait, si vous vous contentez de mesurer les acquis des élèves en fonction de ces programmes scolaires, vous tombez en quelque sorte sur un os. Et cet os est très important parce que comment comparer le niveau d'acquis des élèves qui ont des programmes et qui apprennent des choses relativement différentes d'un pays à l'autre. Donc on a là, si vous voulez, un problème qu'il faut résoudre. Et l'idée des enquêtes PISA, ça a été de dire, eh bien, nous allons le résoudre en définissant des compétences qui sont, en fin de compte, je vous donne ici une définition des compétences et ça permet en quelque sorte de donner la définition. Les compétences, nous disent PISA, les rapports PISA, c'est l'aptitude à mener à bien des tâches qui s'inscrivent dans des situations de la vie réelle et qui demandent une compréhension approfondie des concepts fondamentaux. J'ai pris ça dans le rapport de l'OCDE de 2011, page 23. Et donc, cette définition est extrêmement claire, me semble-t-il. On ne va pas tester des savoirs, on va tester des compétences. Alors, des savoirs, ça serait de connaître, de pouvoir citer les œuvres de Balzac ou au moins trois romans de Balzac, par exemple. Bon. Mais si vous posez cette question à des Français, probablement, j'imagine qu'ils pourront répondre avec des élèves français. Si vous posez cette question à des élèves anglais, il n'est pas certain qu'ils aient appris ça, ou des élèves chiliens ou japonais. D'accord ? Bon. Par contre, si vous demandez à des élèves de lire un texte et de savoir ce qu'ils ont compris, et de tester ce qu'ils ont compris, c'est-à-dire en leur posant des questions sur la compréhension du texte, là, vous aurez testé non pas des savoirs, mais des compétences. C'est-à-dire des compétences, pour aller vite, on pourrait dire qu'il s'agit de savoir en acte, hein, c'est-à-dire de capacité d'action qui concerne, je dirais, les savoirs scolaires. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est important, puisque cette idée de compétence a permis à PISA d'opérer des comparaisons fiables entre pays en éliminant l'un des problèmes majeurs de la comparaison internationale en éducation, c'est de savoir que, mesurer ce qu'ont appris les élèves à l'école en se dégageant des programmes scolaires, par définition très différents d'un pays à l'autre. Alors, ça m'amène au concept de littératie. Le concept de littératie, qui est en fin de compte très proche de celui de compétences, la littératie, je vous cite là aussi un rapport de l'OCDE, capacité des élèves d'exploiter des savoirs et savoir-faire dans des matières clés, et d'analyser, de raisonner et de communiquer lorsqu'ils énoncent, résolvent et interprètent des problèmes qui s'inscrivent dans divers contextes. Donc la littératie, c'est ça, c'est une capacité d'action renvoie à ce qu'ont appris les élèves à l'école, mais une capacité d'action pour résoudre des problèmes, d'accord, qui leur sont soumis et qui s'inscrivent dans divers contextes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qui s'inscrivent dans divers contextes? Ça signifie que l'on ne va pas poser des questions ou des problèmes aux élèves strictement scolaires, mais des questions qui vont concerner, on va dire plus ou moins, la vie quotidienne. Je donnerai tout à l'heure des exemples. Donc la littératie, comme les compétences, ce sont des capacités d'action qui permettent aux élèves de mettre en œuvre des savoirs et des savoir-faire pour résoudre des problèmes posés. On a là, si vous voulez, une innovation des enquêtes PISA qui est extrêmement intéressante, hein, parce que c'est, à mon sens, l'outil qui permet véritablement à ces enquêtes de produire des comparaisons internationales, quel que soit le système éducatif dans lequel ont été scolarisés les élèves.
Alors, je vous donne là quelques exemples de littératie. Donc, par exemple, ici, nous avons un extrait du rapport PISA de 2011, la compréhension de l'écrit en 2009, donc c'est le rapport qui a été publié en 2011 en français, et donc je donne quelques exemples extrêmement rapides, mais définition et caractéristiques distinctives de ce que sont les compétences en compréhension de l'écrit. Je vous lis le texte. Comprendre l'écrit, c'est non seulement comprendre et utiliser des textes écrits, mais aussi réfléchir à leurs propos et s'y engager. Cette compétence, devrait permettre à chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel, et de prendre une part active dans la société. Bon, j'ai l'idée que si vous ne savez pas lire, ou si vous n'avez pas une capacité de compréhension assez développée de textes écrits, eh bien, vous ne pouvez pas vivre, entre guillemets, normalement dans les sociétés modernes, contemporaines. Cette notion de la compréhension de l'écrit va au-delà du simple décodage et de la compréhension littérale. Elle implique aussi des facultés d'interprétation, de réflexion et de capacité d'utiliser la lecture pour accomplir ses propres objectifs. Donc, on est là, si vous voulez, dans l'idée que au travers de la compréhension de l'écrit, on va mesurer aussi une capacité de réflexion, une capacité d'interprétation. Donc on va aller au-delà des textes, au-delà bien sûr du déchiffrage, et c'est normal puisqu'il s'agit d'élèves de 15 ans. Alors, par exemple, quelles sont les connaissances qui sont testées, format de l'écrit, texte continu, sur des textes non continus, sur des textes mixtes, etc. Là, on est plus dans le domaine concret et empirique, et puis dans les compétences testées, on a ici localiser et extraire, intégrer et interpréter, réfléchir et évaluer, et puis des compétences plus complexes, localiser, évaluer, intégrer des informations. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous aurez remarqué que les compétences qui sont testées par PISA sont des compétences hiérarchisées sur un continuum unique. Ce qu'on nous dit ici, de façon implicite, mais qui est développée ailleurs dans les travaux de PISA, c'est que localiser et extraire est le premier niveau de compétence. On a la capacité, par exemple, sur un texte, de localiser un mot, d'extraire une information à partir d'un texte simple. La compétence supérieure, c'est intégrer et interpréter le texte, d'accord ? On peut interpréter, donc on a déjà un travail intellectuel que l'on produit sur ce texte. Réfléchir et évaluer va être une compétence encore supplémentaire. Et ensuite, les compétences les plus élevées vont être plus complexes. Donc on est ici dans, si vous voulez, une compréhension de l'écrit. Là, j'ai pris ce schéma qui me semble assez parlant dans PISA 2000, qui est la première enquête PISA. Ce schéma qui montre bien la façon dont on peut conceptualiser, en fin de compte, détailler, décrire la compréhension de l'écrit comme concept, et comment empiriquement cela donne des variables et des indicateurs qui sont ensuite utilisés pour mesurer les compétences des élèves. Alors on a ici la compréhension de l'écrit et on a deux grandes catégories: utiliser des informations provenant du texte et tirer parti de connaissances extérieures du texte. Et puis à partir de là, on a un ensemble de, une arborescence en quelque sorte, qui aboutit à un ensemble de compétences qui permettent de mesurer cette compréhension de l'écrit. Comprendre globalement, est-ce que l'élève est capable de comprendre globalement un texte? Est-ce qu'il est capable de trouver des informations? Est-ce qu'il est capable de développer une interprétation? Est-ce qu'il n'est pas capable de réfléchir sur le contenu? Est-ce qu'il est capable de réfléchir sur la forme? Et donc on voit là aussi un continuum, une évolution qui va vers des compétences relativement simples et basiques, vers des compétences beaucoup plus élaborées et beaucoup plus complexes. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'avec ces enquêtes PISA et avec ce concept de compétence, eh bien, on a la possibilité mesurer à la fois des compétences basiques, simples, et des compétences complexes. Ça a l'air d'une banalité, mais c'est extrêmement important.
On le verra tout à l'heure parce que, évidemment, c'est une nécessité pour essayer de comprendre comment les compétences, ici en compréhension de l'écrit, mais on peut faire exactement la même chose ou le même type de raisonnement pour les mathématiques ou la science, hein, bien évidemment, comment ces différents types de compétences sont répartis dans la population scolaire. Et donc, la question de l'équité, si vous voulez, ici, est extrêmement importante. Alors, on a défini les concepts, efficacité, équité, compétences, littératie, etc. Quid de la mesure empirique de ces compétences ? Ça a l'air d'une question un peu banale. En général, lorsqu'on parle des enquêtes PISA, notamment dans la presse, évidemment, on fait l'impasse sur cette mesure empirique. Or, cette mesure empirique, comme dans toute enquête en éducation ou en sociologie ou en psychologie ou dans n'importe quelle discipline, cette mesure empirique est extrêmement importante. Elle est déterminante pour, bien sûr, fonder la validité des résultats qui sont ensuite produits. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les enquêtes PISA nécessitaient la mise en place de standards, de procédures extrêmement précises. C'est vrai. Hein, et cette mise en place de standards débute lorsque l'on conçoit. Les tests qui vont être passés aux élèves et qui vont permettre de mesurer leurs compétences. Il y a peut-être une idée que j'aimerais faire passer ici, c'est l'idée que quand on veut mesurer un éventail de compétences extrêmement vaste, on doit évidemment produire des tests, hein, des items, hein, dans PISA ils appellent ça des items, assez nombreux pour mesurer l'ensemble de ces compétences. Donc vous avez des items qui vont mesurer des compétences de base et des items qui vont mesurer des compétences beaucoup plus élaborées. Donc en fait, il faut produire l'ensemble du spectre. Et pour cela, ça implique de produire 6h30 de tests. C'est-à-dire si on met bout à bout tous les tests PISA que doivent renseigner les élèves, eh bien, on aboutit à 6h30 de test. Alors évidemment, tous les élèves ne passent pas 6h30 de test parce que ça n'aurait strictement aucun sens. Tout le monde serait épuisé, puis tout le monde partirait avant la fin, bien sûr. Donc ce qui est fait, c'est une technique que je décrirai rapidement, qui est la technique des carnets tournants. C'est-à-dire que tous les élèves ne passent pas l'ensemble des tests, mais tous les tests sont passés par un certain nombre d'élèves. Bon, ça permet, si vous voulez, de limiter l'ampleur de l'enquête empirique elle-même. Alors, je me propose d'avancer un peu sur ces questions empiriques, puisque je vois que le temps tourne. L'idée, si vous voulez, la plus importante, c'est que la passation des tests, la conception, la traduction, la passation des tests, est un processus extrêmement long. Par exemple, il y a évidemment toujours une pré-enquête, un pré-test hein, qui est mis au point. Ce pré-test permet de mesurer la façon dont les tests sont renseignés par les élèves et notamment cela permet d'éliminer les tests qui présentent des biais et notamment les biais culturels. Des biais culturels, c'est quoi, tout bêtement? Ce sont des items qui sont réussis très bien réussis dans certains contextes nationaux ou culturels et qui sont très mal réussis dans d'autres contextes nationaux ou culturels, simplement parce qu'ils présentent des implicites qui sont très bien compris dans un système culturel donné et beaucoup moins bien compris dans un autre système culturel. Donc, c'est un exemple, il y en a d'autres bien sûr, de standardisation de l'enquête PISA. Cette standardisation est bien sûr très importante parce que si les résultats que vous produisez sont le fruit de biais culturels liés à la nature des tests qui sont proposés aux élèves, eh bien vos résultats sont inutilisables puisque évidemment vous allez être confronté à un problème qui est que les différences que vous observez, vous ne savez pas si elles sont dues aux apprentissages des élèves ou simplement à un biais lié à la construction même
des tests. Donc là, on est dans un point qui est extrêmement important. Autre aspect, outre le fait de tester la nature des tests, etc., il y a l'idée de la traduction. Ça, c'est un gros morceau, si vous voulez, des problèmes techniques, mais très important dans l'enquête PISA. Globalement, les tests sont conçus par un consortium international d'institutions de recherche pédagogique, bien sûr, et à partir de là, chaque test, chaque item est conçu en deux langues, le français et l'anglais. Et ensuite, ces tests, un en français et en anglais, eh bien, sont traduits, d'accord, dans les autres langues qui sont nécessaires pour mettre en œuvre l'enquête. Donc, on a là un processus de traduction qui est long, qui est difficile, et évidemment, on pourrait réfléchir sur les limites de la traduction. Il y a quelques travaux qui essaient de parler de ça, je n'ai pas vraiment le temps de développer, mais l'idée, c'est que les choses sont faites de façon à ce que les problèmes de traduction ne soient, soient le plus limité possible. Je vous ai mis ici, dans ce slide, un extrait du rapport PISA que j'ai intitulé « Répondre à la critique de biais culturel dans PISA ». J'ai interprété ça comme ça parce que ça me semble important. Les premières enquêtes PISA, l'enquête 2000 notamment et 2003, ont été critiquées en disant « oui, mais il y a des biais culturels ». D'ailleurs, c'est pour ça, dans certains pays, par exemple comme en France, on a dit « oui, mais les enquêtes PISA sont conçues pour être plus, comment dire, plus adéquates pour les élèves anglo-saxons que pour les élèves français ou francophones plus généralement. » Et du coup, ça pose un problème, et c'est pour ça que la France a des résultats si faibles. Bon, en fait, c'était un argument pour défendre un peu le test, les résultats pas très élevés de la France, mais cela dit, c'est une critique évidemment qu'il faut prendre au sérieux, parce que s'il y a des biais culturels, eh bien cela pose de vrais problèmes. Alors, je vous lis quelques extraits ici, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les compétences. Je vous lis le texte, ça me semble extrêmement intéressant. Les pays participants ont soumis des stimuli et des items qui ont fait l'objet d'une analyse, d'un essai de terrain et d'un processus itératif d'amélioration au cours des 3 années qui ont précédé l'administration des épreuves en 2009. Bon, alors ça nous dit quoi? Ça nous dit, eh bien là, on a tout un processus qui permet de produire tout un ensemble d'items qui sont extrêmement fiables, nous dit-on. Au cours de ce processus de développement, les pays participants ont eu l'occasion à plusieurs reprises de faire part de leurs commentaires et des items ont fait l'objet d'un essai pilote limité, puis d'un essai pilote de grande envergure, dans le cadre duquel ils ont été soumis à des échantillons d'élèves de 15 ans dans tous les pays participants. Donc là, on nous dit que les pays participants, à chaque étape, ont la possibilité de dire « là, ça ne va pas, là, il y a un problème avec tel item, etc. etc. » On nous dit aussi qu'il y a un test pilote à petite échelle, puis à grande échelle, avant que ne se passe le test final. Et puis enfin, le groupe d'experts en compréhension de l'écrit a procédé à la sélection finale de tâches constituées d'items soumis par 21 des pays participants. Cette sélection a été faite compte tenu de la qualité technique des tâches, évaluée sur la base des comportements des items, etc. etc. Donc, ce qui est intéressant ici, dans ce texte-là, c'est que dans ce rapport, qui est là, je pense, un extrait du rapport de 2011 relatant les résultats de PISA 2009 en français, eh bien, nous avons l'argumentation des enquêtes PISA disant on ne peut pas dire qu'il y a un biais puisque à chaque étape, eh bien, chaque pays peut intervenir. Cela montre aussi la réalité de la très haute technicité de ce type d'enquête. Donc, je vous donne ici, par exemple, un item de base, hein, c'est « comment se laver les dents ». Je ne vais pas le commenter trop longuement parce que le temps passe, mais vous avez par exemple les rapports PISA, toujours, ou sur le site PISA. Je crois même que sur le site PISA de l'OCDE, vous pouvez répondre vous-même au test pour voir si vous arrivez
répondre quel serait votre niveau de compétence. Donc c'est assez marrant. Ce n'est pas toujours facile d'ailleurs au demeurant. Et donc vous avez ici un exemple de test de base qui mesure donc des compétences de base. Je vais peut-être accélérer sur ce point pour aborder des questions qui concernent l'équité des systèmes éducatifs. Je pense que c'est quand même un point important, donc savoir comment on peut utiliser les enquêtes PISA pour réfléchir sur l'équité. Comment est-ce qu'on utilise donc ces enquêtes, ces données? Bien, je pense qu'il y a plusieurs usages, on le sait. Hein. J'en définirai au moins trois. D'abord, il y a l'usage dans la presse, usage des journalistes, etc., qui est un usage extrêmement important, puisque c'est ça un peu qui a fait le succès de ces enquêtes PISA. Et qui est un usage qui est relativement simpliste, je dirais, qui prend à peu près que les moyennes et les classements par pays, ce qui est assez limité du point de vue au regard de la richesse des enquêtes PISA. C'est un usage qui est fait pour le débat social et pour le débat politique. Ensuite, vous avez un usage qui est fait par l'OCDE, et c'est très intéressant parce que dans l'usage que fait l'OCDE des enquêtes PISA, on a souvent un glissement assez rapide, peut-être un peu trop rapide, entre les résultats de recherche et les injonctions normatives. C'est-à-dire, on nous dit, on a trouvé ceci et cela comme résultat, donc il faut faire ceci et cela. Bon. Souvent, le glissement est un peu rapide, à mon sens, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a aussi l'usage qu'en font les chercheurs. Vous pouvez télécharger sur le site de l'OCDE les données de PISA, et beaucoup de chercheurs le font. Et à partir de ces données, eh bien, vous pouvez faire vous-même tout un ensemble d'analyses statistiques. Et les chercheurs publient régulièrement dans les revues à comité de lecture des travaux, des recherches qui portent sur cette question. Donc en communauté française de Belgique, par exemple, on a, comme dans beaucoup de pays, beaucoup de chercheurs utilisent ces enquêtes PISA. Je vous donne ici quelques éléments de Meuse, par exemple, un très bel ouvrage j'ai pas mis l'année là sur la référence, veuillez m'en excuser, je crois qu'il date de 2005, Vers une école juste et efficace. C'est un ensemble de chercheurs belges qui ont travaillé sur ces données, notamment PISA, sur l'équité des systèmes éducatifs. Les travaux du GIRSEF aussi sont extrêmement importants et connus sur la question des inégalités scolaires. Et puis, les travaux, par exemple, de La Fontaine et Monceur sur les effets de la ségrégation scolaire sur les inégalités d'acquis. Tout ça, ce sont des travaux qui prennent en grande partie appui sur les données PISA. Alors, pour vous donner un peu un exemple d'usage extrêmement précis de ces enquêtes, eh bien, j'ai pris un travail que je suis en train de publier, qui n'est pas encore publié, que je suis en train de faire avec Barbara Fouquet-Choprad et Samuel Charmillot dans mon équipe de recherche à Genève. Et c'est un travail qui est un article qui est à paraître dans, je l'espère, dans la Revue française de pédagogie, et qui s'appelle Les descendants d'immigrés à l'école en France, entre discontinuité culturelle et discrimination systémique. Et c'est un travail qui prend pour base les données PISA, et notamment un travail qui porte sur l'évolution à la baisse des compétences des élèves migrants dans les enquêtes PISA, avec une comparaison entre 2003 et 2012. Alors, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui montre un peu comment on peut, à partir des enquêtes PISA, produire des résultats de recherche extrêmement intéressants sur les évolutions. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les enquêtes PISA sont produites tous les 3 ans. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, on a la possibilité de comparer. Hein. Ici, j'ai pris 2003 et 2012, parce qu'il s'agit de 2 années pour lesquelles le domaine de compétences testé dominant était les mathématiques. Donc, on va comparer le niveau des élèves en mathématiques entre 2003 et 2012 dans un pays donné qui est la France. Bon. Donc, on peut évidemment faire beaucoup de choses à partir de ça. Qu'est-ce que l'on observe lorsqu'on fait cette comparaison entre 2003 et 2012?
D'abord, on observe une baisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, des compétences des élèves migrants ou issus de l'immigration entre ces deux années, premier point. Ensuite, globalement, lorsqu'on regarde l'ensemble des résultats, on s'aperçoit que l'ensemble des ce qu'on appelle les caractéristiques ascriptives des élèves, ces caractéristiques ascriptives ont un poids plus fort en 2012 qu'en 2003. C'est quoi les caractéristiques ascriptives? Ce sont des caractéristiques qui ne dépendent pas de la volonté des individus. Bon. Alors ça peut être leur origine sociale, par exemple, leur sexe, leur parcours migratoire, ou tout un ensemble de caractéristiques. Et donc l'idée, c'est est-ce que ces caractéristiques ascriptives ont un poids plus fort dans la définition des scores des élèves en 2012 qu'en 2003? Et donc la réponse est oui, hein, dans le cas français. Et puis, dernier constat, entre 2003 et 2012, on observe qu'il y a un plus faible effet de l'origine socio-économique, par exemple, des élèves, pour les élèves migrants, pardon. Et ça, c'est un point que je vous propose de développer. Je vous ai donné pour ça deux graphiques. Voici le premier graphique. Qui est issu de PISA 2003. Hein, et vous avez ici le score en mathématiques prédit en fonction du statut migratoire et du niveau de diplôme des parents. Je me permets de me lever pour vous donner cette explication. Et donc, dans ce graphique, qu'est-ce que l'on a? On a d'abord ici les résultats qui sont indiqués, qui sont les résultats d'une analyse de régression multiple, hein, premier point. Et puis, vous avez les scores prédits, c'est-à-dire lorsque les autres variables sont prises en compte, on mesure l'effet du niveau de diplôme des parents, d'une part, donc aussi enseignement obligatoire, enseignement secondaire 2, enseignement supérieur. D'accord. Là, c'est le niveau de diplôme des parents, le plus élevé des deux parents. Et puis, vous avez ici le score en mathématiques prédit. D'accord. Et chaque graphique, chaque droite représente un statut migratoire. Ici, la ligne continue représente les natifs, c'est-à-dire les élèves qui n'ont pas ou qui ne déclarent pas d'origine migratoire. Et puis, les premières générations. Il s'agit des pointillés courts, non, du excusez-moi, des pointillés longs, et puis les pointillés courts, il s'agit des deuxièmes générations. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est le cas en 2003, c'est qu'on observe que les inégalités entre ces différentes catégories d'élèves sont plus fortes pour les faibles niveaux de diplôme que pour les forts niveaux de diplôme. C'est-à-dire que, de façon assez classique, en 2003, ce qu'on observait, c'est que plus on monte dans la hiérarchie des diplômes, plus les élèves, plus les différences entre élèves diminuent. Par exemple, ici, entre les élèves natifs, par exemple, qui sont en haut, et les élèves de deuxième, de première génération, eh bien, on a des scores qui sont extrêmement proches les uns des autres. Bon. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les élèves de première génération ou de deuxième génération ont des parents diplômés, eh bien, leurs scores sont certes restent encore différents par rapport aux élèves natifs, mais cette différence est relativement faible. Elle est forte lorsque on est dans des catégories dont les parents ont très peu de diplômes. C'est intéressant parce que c'est un fonctionnement relativement classique. D'accord ? Il faut noter une petite particularité ici, c'est que les droites des deuxièmes générations et des premières générations se croisent, hein, c'est-à-dire que très paradoxalement, les élèves de deuxième génération ont des scores plus faibles, toutes choses égales par ailleurs, pour un même niveau de diplôme des parents, eh bien, ils ont un score en maths plus faible que les élèves de première génération. D'accord ? Mais on a là, disons, globalement, des résultats qui sont classiques. Plus on avance dans le niveau de diplôme des parents,
plus le niveau des élèves augmente. Si l'on se reporte maintenant dans ce qui se passe, si on fait la même analyse dans PISA 2012, toujours pour les mathématiques, d'accord, eh bien, on s'aperçoit que les choses ont changé en France entre les deux dates. Regardez ce graphique, il ne nous dit pas la même chose que le premier. Il nous dit même l'inverse. Il nous dit par exemple que les différences et les inégalités de score sont plus faibles parmi les élèves issus de familles dont le niveau de diplôme est faible que dans les familles où le niveau de diplôme est important. En quelque sorte, on a là ici, regardez la droite qui représente les élèves natifs. Plus les élèves natifs sont plus les élèves natifs sont issus de parents diplômés, plus leur score en maths est élevé. C'est ce que l'on trouve dans à peu près tous les résultats dans les données statistiques qui concernent ce genre de choses. Lorsqu'on regarde la droite en 2012 et en France des deuxièmes générations et des premières générations, on s'aperçoit que cette droite est beaucoup moins pentue, elle monte beaucoup moins. C'est-à-dire que quel que soit leur niveau du diplôme ou le niveau de diplôme des parents, eh bien, les scores de ces élèves tendent à stagner et ils ne dépassent pas le maximum, regardez, c'est 480. Donc, ça veut dire quoi, cette comparaison, hein, c'est un exemple d'utilisation des données PISA. Eh bien, cela signifie que il y a, en quelque sorte, on pourrait l'interpréter comme ça, une sorte de plafond de verre dans les compétences acquises que l'on observe pour les élèves de deuxième et de première génération en 2012 en France. Ce plafond de verre, évidemment, il faut l'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi, alors que les natifs augmentent régulièrement leur score en fonction du diplôme de leurs parents, eh bien, pourquoi ce n'est pas le cas pour les élèves qui sont issus d'immigration? Alors, on pourrait faire plusieurs hypothèses. Je l'ai dit, le plafond de verre, c'est-à-dire, c'est une hypothèse descriptive, hein, c'est-à-dire, il ne dépasse pas un certain seuil. Pourquoi est-ce ainsi? Alors, une des hypothèses possibles, c'est de dire, eh bien, il s'agit d'une discrimination systémique. Une discrimination systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a, dans le cas français, entre 2003 et 2012, eh bien, une accentuation de la ségrégation scolaire. Et cette ségrégation scolaire, c'est quoi? C'est de dire que les élèves migrants ou issus de l'immigration, les élèves de milieux défavorisés, les élèves dont les parents ont peu de diplômes, les élèves dont les parents ont peu de moyens économiques, se retrouvent dans des établissements scolaires qui sont ghettoisés. Et dans ces établissements scolaires, les élèves apprennent moins. Donc on a, en quelque sorte, l'idée que ce que nous venons d'observer, c'est-à-dire ce plafond de verre pour les élèves soit migrants, soit issus d'immigration, eh bien, c'est le résultat d'une qualité de l'offre éducative qui est beaucoup plus faible du côté de ces élèves que du côté des élèves natifs. Alors, c'est un exemple, si vous voulez, d'enquête PISA, ou en tout cas d'utilisation des enquêtes PISA, mais je pense que c'est une utilisation extrêmement féconde. Alors, j'ai cité cet article à paraître, j'aurais pu en citer d'autres. Des exemples sur la communauté française de Belgique sont nombreux. Il y a aussi beaucoup de travaux en Angleterre, beaucoup de travaux aux États-Unis, beaucoup de travaux aussi, comment dire, dans les pays où la statistique scolaire avant PISA était extrêmement faible. Vous allez au Mexique, par exemple, ou vous allez dans beaucoup de pays d'Amérique latine, la statistique scolaire était extrêmement peu développée, et donc il y avait en fait assez peu de moyens pour observer la façon dont les élèves réussissaient à l'école et en fonction de quels critères. Eh bien, avec PISA, on a aujourd'hui dans ces pays, comme dans d'autres pays, eh bien, la possibilité de produire des analyses qui permettent de voir comment l'équité des systèmes éducatifs est plus ou moins forte. Donc vous voyez qu'à partir de ces enquêtes PISA, sur le cas d'un pays, en l'occurrence la France,
on peut produire des résultats qui éclairent l'évolution de l'équité, l'évolution des inégalités scolaires et l'évolution des inégalités en fonction de tel ou tel critère. Et je pense que c'est un acquis important de ces enquêtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur les débats limites et controverses qui agitent, en quelque sorte, la publication des enquêtes PISA? Je crois que c'est important de traiter, en fin de compte, cette question, parce que, à la fois, les enquêtes PISA sont les plus célèbres, me semble-t-il, des enquêtes quantitatives de ce type-là. Il est vrai qu'une enquête de ce type-là, en général, est assez austère, c'est extrêmement complexe, c'est difficile à comprendre parfois, même pour les chercheurs, et il est vrai que c'est étonnant que cette enquête ait un tel succès, y compris dans l'opinion. Donc il faudrait quand même essayer de voir pourquoi elle a un tel succès, et puis aussi, il faudrait essayer aussi de comprendre les limites, bien sûr, de ces enquêtes et les débats qu'elle a pu susciter. Si l'on essaie de voir les différents types de critiques qui ont pu être formulées ou réserves qui ont pu être formulées sur ces enquêtes, j'en définirai trois grands types. Un premier type, c'est sur les usages. Hein, usage des enquêtes PISA, finalité politique des enquêtes PISA, avec une idée simple, mais qui tout de même est une idée qu'il faut examiner, c'est l'idée que les enquêtes PISA, le but des enquêtes PISA, c'est une imposition, entre guillemets, douce, de standards internationaux en matière d'éducation. Alors, je vais développer ça tout à l'heure, mais en quoi est-ce que c'est une critique? Bien, c'est une critique parce que l'éducation est du domaine et du ressort des États. Ces États sont représentés par des élus, démocratiquement élus par le peuple, dans la plupart des pays dont on parle. Et du coup, les choix éducatifs sont le fruit de la démocratie représentative dans ces pays. Dans le cas des enquêtes internationales PISA, l'OCDE ne représente qu'elle-même. Et du coup, essayer d'imposer des standards, cela pose une question qui est celle de la démocratie. Deuxième critique sur les choix privilégiés, c'est-à-dire l'idée que les enquêtes PISA ont choisi les compétences par rapport au savoir et ça peut poser quelques problèmes en termes de comparaison, je le développerai tout à l'heure. Et puis enfin, il y a des critiques sur plus méthodologiques sur tel ou tel point des procédures mises en œuvre dans PISA. Donc le premier type de critique, usage et finalité politique des enquêtes PISA, c'est un point qui est important. Cela part de quoi? Cela part de l'idée que l'OCDE est une organisation qui est puissante, qui est influente, et du coup, l'idée qui se pose, c'est, ou la question qui se pose, pardon, c'est est-ce que cette organisation internationale est légitime pour juger des politiques éducatives? Est-ce que ça n'est pas de la compétence des États? Alors il est vrai que lorsqu'on lit les rapports PISA, je vous y invite, parce que ce sont des rapports en général extrêmement bien faits, hein, pas en général, toujours extrêmement bien faits et extrêmement intéressants, il y a toujours des chapitres conclusifs sur les conséquences pour les politiques éducatives et en fin de compte, ces chapitres conclusifs sont là pour dire, comment est-ce qu'on pourrait dire, le bien, le beau en matière d'éducation. Alors, à la fois c'est intéressant, puisque évidemment c'est aussi le rôle de l'OCDE, que s'est donné l'OCDE, que de tirer des conclusions politiques de cette enquête. Bon. En même temps, on assiste là à la transformation de résultats scientifiques en injonctions normatives. C'est-à-dire, on produit des résultats, dont le but est d'observer hein, ces résultats, de décrire une situation à un moment donné, et on en tire des conclusions sur des conclusions normatives sur ce que doit être ce doivent être le système éducatif. Alors, du coup, cette critique est extrêmement importante et on peut essayer de voir
comment, dans chaque pays, les enquêtes PISA ou les résultats des enquêtes PISA sont utilisés. On a, si vous voulez, assez peu de travaux qui portent là-dessus, c'est-à-dire de travaux scientifiques qui portent sur comment, dans différents pays, les enquêtes PISA ont été utilisées, hein, comment, là, sur la réception, en fin de compte, de ces enquêtes. Alors, il y a quelques publications qui ont été faites par une chercheuse qui s'appelle Sotiria Grec en 2009 et qui, justement, essaie de voir comment les pays utilisent de façon extrêmement différenciée les résultats de PISA. Donc, l'idée qui est derrière cette enquête ou ce travail, c'est de se demander si les nations sont influencées et de quelle manière par les résultats PISA. Pour y répondre, alors attendez, j'avais donné là une citation, bon, je passe parce que sinon j'aurais pas le temps de conclure, veuillez m'excuser. Quelles sont ces différentes réactions? D'abord, quelques exemples. En Finlande, vous savez que la Finlande, depuis 2000, ça a changé depuis en 2012, mais depuis 2000, la Finlande est un peu la star, le pays de star des enquêtes PISA, puisque très souvent, selon le domaine de compétences testé, la Finlande a des résultats moyens extrêmement élevés, d'une part, et un niveau d'inégalité extrêmement faible, c'est-à-dire c'est un pays efficace et équitable. Bon. Et donc, la publication des enquêtes PISA en Finlande a donné lieu à quoi? Eh bien, simplement à l'idée que le système finlandais était très bien, et du coup, il y a eu une forte couverture médiatique dans ce pays à chaque publication des enquêtes PISA, mais ça n'a rien suscité comme réforme particulière, d'autant que, je dirais, les résultats étant très bons, ça pourrait pousser plutôt à un certain conservatisme plutôt qu'à un certain réformisme. Qu'en est-il en Grande-Bretagne? Eh bien, en Grande-Bretagne, Grec nous dit que les résultats ou l'impact a été extrêmement faible. Alors, pourquoi en Grande-Bretagne l'impact a été si faible? Eh bien, il a été faible parce que c'est aussi un pays, la Grande-Bretagne, où la statistique scolaire est extrêmement développée, elle est extrêmement ancienne et elle est extrêmement efficace. Et du coup, l'enquête PISA n'a fait que donner un élément parmi d'autres supplémentaire sur ce que, en fin de compte, on connaissait déjà sur la Grande-Bretagne. Donc en fait, ça n'a pas été, ça n'a pas produit de résultats très, très développés. Par contre, la réaction a été très vive en Allemagne, puisque en 2000, les résultats de l'Allemagne ont été extrêmement décevants pour ce pays, puisque les Allemands ont constaté à cette occasion que les résultats moyens de leurs élèves étaient très moyens, d'une part, et d'autre part que le niveau d'inégalité entre élèves était très marqué dans ce pays. Donc, Grec nous dit que ça a suscité une bildung catastrophe, c'est-à-dire une catastrophe au plan de l'éducation et au plan scolaire, et cela, effectivement, a suscité pas mal de réformes dans ce pays, et notamment du système éducatif allemand, puisqu'il y a eu des réformes qui sont allées dans le sens d'une harmonisation entre les différents Länder, par exemple. Et je pense que, de ce point de vue, lorsqu'on regarde les résultats PISA de l'Allemagne, on va plutôt vers une augmentation des scores moyens. Pour les inégalités, c'est autre chose, mais il n'empêche que cette première enquête a suscité pas mal de réactions. En communauté française de Belgique, ça a aussi suscité des résultats très forts, en termes, je dirais, notamment dans l'observation des inégalités scolaires dans ce pays. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce plan-là? On peut dire que les résultats PISA ont un impact très divers selon les pays et que l'imposition du modèle PISA, ça a pu être le cas, hein, par exemple quand on voit le cas de la Pologne ou le cas du Portugal,
Pourquoi pas? C'est vrai, on pourrait l'interpréter de cette façon-là, mais ça a toujours été médiatisé par, évidemment, des prises de position et des décisions politiques au niveau national. Et puis, deuxième aspect, ces réactions, dans beaucoup de pays, ont été à peu près nulles, c'est-à-dire, c'est souvent utilisé comme, je dirais, des arguments, par les politiques, mais est-ce qu'il y a un lien direct entre les enquêtes PISA, les résultats PISA d'une part, et les réformes en cours, on ne peut pas affirmer cela de façon extrêmement précise. Si je prends le cas de la France, par exemple, les enquêtes PISA sont évoquées pour dire ça pose quelques problèmes, nos résultats ne sont pas bons, on a, je dirais, des problèmes d'équité, le système est très peu équitable, mais en fin de compte, est-ce que cela suscite véritablement des réformes? Ça reste à démontrer. Deuxième débat sur PISA, c'est les compétences contre les savoirs. Alors, si je résume ce débat, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, on dit, en fin de compte, que le concept de compétence est un peu trop éloigné des savoirs que apprennent les élèves en classe. Et donc, une objection forte qui a été faite aux enquêtes PISA, notamment en 2000 et 2003, c'est-à-dire les premières enquêtes, maintenant, ça s'est un peu tassé, ces critiques, ça a été de dire, mais en fait, on va évaluer un système éducatif sur des tests qui ne mesurent pas ce que sont censés apprendre directement les élèves. Donc l'idée, c'est que, de ce point de vue, ça pose un problème. Si vous voulez évaluer un système éducatif, évaluez-le sur ce que les élèves sont censés apprendre, c'est-à-dire les savoirs, et donc les programmes scolaires. Donc c'est l'idée que les compétences, eh bien, ce sont, impliquent une mesure qui est trop éloignée des missions directes des systèmes éducatifs. Alors, cette enquête, cette objection, pardon, il faut la prendre au sérieux, bien sûr, parce que c'est quelque chose d'important. Et pour répondre à cette objection, on peut utiliser une enquête allemande, justement, de Prenzel et Zimmer, en 2006, qui, en fin de compte, utilise une particularité de l'enquête PISA en Allemagne. Devant l'intérêt de cette enquête pour le système éducatif allemand, les Allemands ont mis au point un suréchantillon PISA, c'est-à-dire que les mêmes élèves qui passent PISA international, d'accord, sont testés sur, à partir d'items qui ne mesurent pas des compétences, mais qui mesurent des savoirs mesurés et construits à partir des programmes scolaires allemands. D'accord. Donc cette comparaison est extrêmement précieuse, puisque cela permet de comparer les tests, les résultats aux tests des élèves au niveau des compétences, c'est-à-dire PISA, et les résultats des élèves pour les savoirs, c'est-à-dire à partir du suréchantillon PISA allemand. Et donc c'est un résultat qui est extrêmement intéressant. Vous avez ça sur le PowerPoint, puisque lorsqu'on fait la corrélation entre les résultats des élèves au test PISA et les résultats des élèves au test qui mesure les savoirs, la corrélation est de 0,92. 0,92, ça veut dire que c'est une corrélation très élevée. Ça veut dire que les tests PISA qui mesurent des compétences et les tests du suréchantillon qui mesurent des savoirs mesure en fait la même chose. Quand vous avez une corrélation aussi élevée, vous mesurez exactement la même chose. Donc en fait, cela signifie quoi? Cela signifie que l'on mesure les compétences ou que l'on mesure les savoirs, eh bien, on mesure des choses qui sont extrêmement proches au niveau de la capacité des élèves à répondre aux items. Donc c'est assez intéressant. À ma connaissance, peut-être il y en a d'autres, mais à ma connaissance, c'est le seul travail qui permet de véritablement tester les réponses en fonction des compétences et en fonction des savoirs. Donc, en fin de compte, ce débat sur
si l'on testait les savoirs, on aurait des résultats différents par pays, eh bien, est en fait globalement un faux débat. Et puis, dernier point peut-être, avant de conclure, sur une enquête sous le regard critique des chercheurs. Je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Beaucoup de critiques ont été formulées pour les premières enquêtes PISA sur les dimensions techniques, en disant la traduction, par exemple, il y a des problèmes, certains items présentent des biais, il y a des problèmes d'échantillons, etc., etc. Bon, tout ça, c'est très, très important. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure d'une enquête à l'autre, les enquêtes PISA s'améliorent. Pourquoi ? Eh bien parce que toutes les données sont proposées aux chercheurs pour qu'ils puissent les télécharger et les utiliser et les observer. Et en fin de compte, quand vous avez le fichier brut, enfin c'est pas un fichier brut, mais le fichier des données PISA sur votre ordinateur et que vous avez la capacité de regarder ce qui se passe dans chaque pays, vous avez aussi la possibilité de voir s'il y a des biais ou des problèmes. Et je prends un exemple sur le cas de la Grande-Bretagne, et vous avez eu toute une polémique dans l'Oxford Review of Education en 2003, qui est une polémique, enfin une polémique, plutôt un débat scientifique extrêmement intéressant entre des chercheurs d'une part et des gens qui travaillent pour PISA de l'autre. Le débat a porté sur le point suivant, c'est que les chercheurs pour PISA 2000 et 2003 ont montré qu'il y avait un problème d'échantillon pour la Grande-Bretagne et qu'un certain nombre d'établissements scolaires défavorisés avaient refusé l'enquête en 2000 et en 2003 et que les établissements qui avaient été choisis pour remplacer ces établissements défaillants avaient été mal choisis et du coup cela avait faussé l'échantillon de base. Et du coup, les résultats PISA pour la Grande-Bretagne étaient surévalués par rapport à la réalité. Et donc, il y a eu tout un débat dans la revue que j'ai citée. Et en conclusion, il a été établi qu'effectivement, il y avait un problème d'échantillon dans ce pays. Et désormais, lorsque on regarde les rapports PISA pour 2012 et probablement aussi pour 2015, lorsqu'on fait des comparaisons entre 2000 et 2012 ou 2003, 2012, etc., pour la Grande-Bretagne, les résultats ne sont pas donnés. Pourquoi ? Parce que l'échantillon pour 2000 et 2003 n'était pas valide et du coup, cela empêche toute comparaison. Donc, cela montre quelque chose de très important et de très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, l'enquête PISA s'enrichit et s'améliore en fonction des critiques qui sont formulées par les chercheurs, ce qui est plutôt une bonne chose de ce point de vue. Alors, je voudrais maintenant conclure. Je vous ai parlé donc de l'enquête PISA et de la mesure de l'équité. Je m'aperçois que, en fait, j'ai donné assez peu d'éléments sur l'équité, j'aurais pu en donner un peu plus peut-être. La seule chose que j'ai pu montrer, c'est que globalement, comparer l'équité des systèmes éducatifs est aujourd'hui possible, alors que, avec PISA, alors que précédemment, c'était possible, mais beaucoup plus difficilement, avec d'autres types d'enquêtes, soit nationales, soit internationales. Donc en fin de compte, si j'ai une conclusion à apporter à propos des enquêtes PISA, c'est que c'est aujourd'hui un outil reconnu et légitime de la recherche en éducation. Donc ça, c'est un point fort. Je pense que toutes les revues publient aujourd'hui des articles qui prennent pour base empirique les enquêtes PISA. Et donc, c'est un point important. Et donc, c'est aujourd'hui, je dirais, une enquête incontournable de la comparaison internationale. Deuxième aspect important, c'est que c'est une enquête qui a permis d'identifier les mécanismes de production des inégalités. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, avec un regard international, on a pu quand même établir, on a pu vérifier une fois de plus, confirmer des résultats qui avaient déjà émergé dans des enquêtes nationales. Je donne quelques exemples très, très rapides.
les effets du redoublement, les effets des filières, les effets de la ségrégation scolaire. Tout ça, ce sont des phénomènes ou des pratiques qui existent, dont on savait déjà qu'elles avaient des conséquences négatives sur les apprentissages des élèves et qu'elles avaient aussi des effets qui renforcent les inégalités. Mais avec l'enquête PISA, on a la capacité d'avoir un point de vue englobant sur l'ensemble des pays participants, et donc ça a renforcé justement et ça a vérifié, ça a permis donc de vérifier ces résultats. Donc on a des acquis tout de même qui sont forts sur l'identification des mécanismes, sur aussi l'évolution des pays. L'idée par exemple que vous pouvez comparer le niveau d'équité de chaque pays entre 2000 et 2012 aujourd'hui, mais dans 10 ans ou 20 ans, on pourra avoir une observation temporelle extrêmement longue, hein, eh bien c'est une façon de pouvoir mesurer, par exemple, les effets de certaines politiques qui ont pu intervenir à tel ou tel moment. Et du coup, on a un puissant moyen de comparaison dans le temps. Et puis, enfin, me semble-t-il, et c'est un point important, PISA permet aussi de produire des données empiriques dans des pays qui, précédemment, n'avaient aucune statistique scolaire, je l'ai dit précédemment, mais c'est un point important. Ça permet de vérifier des choses que l'on n'avait pas observées dans certains pays. Alors, tout ça pour dire que j'ai conclu un peu sous une forme de boutade, cela met nécessairement en débat les politiques scolaires, et puis je conclus, faut-il s'en plaindre? Alors effectivement, je pense que dans beaucoup de cas, les enquêtes PISA permettent de remettre en question, enfin de mettre sous le regard critique des politiques éducatives dans chaque pays, et je pense que de ce point de vue, c'est quelque chose de très salutaire. Je vous remercie.